Coucou les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite page de art journal. Ça fait très très longtemps que j'ai pas fait de art journal. Tout simplement parce que je ne trouvais pas l'inspiration en fait. Je trouvais pas l'inspiration et en plus le problème que j'ai c'est que j'ai peur à la fin de ne pas pouvoir fermer mon journal. Donc je vais voir si je vais pas enlever des pages par la suite. Enfin bon, je sais pas, je vais voir. Pour aujourd'hui, on va faire une petite page de art journal. Alors, je suis désolée d'avance pour la lumière, puisque j'ai été obligée de fermer le volet roulant, mais le soleil tape tellement dans la scrap room le matin que du coup, ça fait des ronds. Alors, j'espère que ça ne va pas trop gêner. Donc, voilà, on va démarrer. Je ne sais pas du tout où je vais. Donc, j'avais envie quand même de partir sur... J'ai une petite abonnée qui m'a offert des découpes et en fond elle m'a donné des papiers de journal. Donc ça c'est très bien pour faire du art journal. Alors je sais pas, je vais voir, je vais découper des morceaux. Voilà, comme ça. Là je vais couper comme ça. Je ne sais pas, je pars vraiment dans l'inconnu. Donc là j'ai une page comme ça. Je vais certainement faire ça. Donc je rappelle pour toutes celles qui arrivent sur la chaîne que le art journal, vous utilisez tout ce que vous avez en chute, tout ce que vous ne savez pas comment utiliser. Le art journal, c'est on ne se prend pas la tête en fait. On fait suivant son inspiration, son humeur. Moi ça me défoule, ça me détend de faire ça. Donc voilà, je fais un petit peu ce qui me passe par la tête. Donc c'est parti. Donc là, je vais prendre de la colle. Je vais coller tous mes papiers. Alors, je les colle grossièrement. Là, j'ai pas fait de fond pour l'instant. Je vais coller comme ça. Voilà. Après, c'est pas nécessaire que ce soit vraiment beau. Hein. Du art journal, c'est pas forcément beau. Hein. Voilà, c'est un art journal. Alors là, ce que je vais faire par contre, c'est que je vais essayer de ne pas mettre d'épaisseur. Je ne vais pas mettre de grosses fleurs ou de choses comme ça. Puisque sinon, hop, celui-là, je vais le mettre un peu en biais. Sinon, j'arriverai jamais à le fermer. Et du coup, comme il est destiné à l'une d'entre vous, voilà, il faut quand même que je puisse le fermer pour l'envoyer. Donc je rappelle que ce art journal sera destiné à une personne que j'aurai tirée au sort parmi toutes celles qui me laissent des commentaires sous mes vidéos. Je coche en fait à chaque fois vous laissez des commentaires. Et je piocherai, je tirerai au sort une personne. Alors ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre ma Styzen comme ça. Donc je vais prendre la plus claire. C'est la Styzen Ganache. Je vais venir faire voilà, des petits tamponnages directement comme ça avec mon encre. Voilà. J'avais envie de pchiter un petit peu de Easy Ink. Je vais voir ce que ça va donner. J'y vais vraiment, je vous dis, les filles au feeling. Ce que je vais faire, ah, je referme. Voilà. Alors, je vais sécher un petit peu Wigan. Alors, ça va faire un petit peu de bruit, les filles. Je suis désolée, mais il faut le faire, parce que sinon, je ne peux pas continuer ma vidéo.
là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir voilà, tamponner. Voilà. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais venir rajouter du marron un peu plus foncé. Donc, c'est la Styzen Chat Épicé. C'est juste pour moincir un peu le fond blanc. Voilà. Ensuite, je vais venir spichiter un peu de spray acrylique. Voilà, j'en mets pas plus. Donc pareil, je remets un petit coup de Egan, c'est pas long, je vais mettre 10 secondes. Alors ensuite, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir tamponner les papillons. Vous voyez, j'ai une planche de papillons comme ça. Je vais venir des papillons. Comme je vous ai dit, je ne veux pas mettre d'épaisseur, puisque je veux le fermer. Donc, je viens prendre mon papillon. Je vais venir prendre ma Mamento. Alors, attendez, je vais juste essuyer là, parce que voilà, j'ai de la peinture qui a été... Ça fait comme des taches, finalement. Voilà. Donc celui-là, c'est bon. Donc toujours, je le nettoie après. Voilà. Je vais prendre des un petit outil. Pareil. Je vais faire comme une envolée de papillons. C'est pas grave si c'est mal tamponné, les filles. C'est du hard journal. Donc voilà. Je remets tout ça. Ensuite, ce que je vais faire, je vais venir faire des pochoirs. Alors, est-ce que j'ai des pochoirs par là? Oui. Alors, je vais venir faire ici. Je vais venir tamponner avec ma Styzen qui est très foncée. Vous voyez, j'ai utilisé ça comme pochoir. C'est des pochoirs qui viennent de chez Action, hein, mes filles. Vous utilisez vraiment ce que vous avez. Mm-hmm.
Je vais en mettre un petit peu partout. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Là, j'ai un... ceci, vous voyez? J'ai envie de le tamponner un petit peu. Je vais voir ce que ça va donner. Je vais le faire à la... je vais le faire avec du vert, avec la Stizen émeraude cité, c'est quoi, cité d'émeraude. Donc je vais voir ce que ça va donner. Ouais. Toujours, je viens nettoyer mon tampon. Et je viens le ranger. Alors ensuite, ce que je voulais faire, c'est faire un peu de patouille. Voilà, attendez. Je vais y mettre le petit... Non, je ne vais pas faire de patouille. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que j'ai des petits sentiments. Donc ici, j'avais envie d'ajouter un rouage. Ce que j'ai ici, j'ai un oiseau. La vie est belle. Vous voyez, j'ai des étiquettes comme ça qu'on m'avait offerte. Un grand bonheur. J'ai encore. Voilà. Je vais plutôt, vous voyez, mettre des choses plates en fait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ancrer mes petits animaux. Là, j'ai un petit oiseau, comme ça. Là, et je vais le coloriser un peu plus foncé sur le bord. Je vais le mettre comme ça. Ma roue, c'est pareil. Je vais la coloriser un petit peu. Mon Lost of Love, pareil. Je vais le mettre ici. En fait, j'ancre tous mes petits...
les petits éléments que je rajoute. Voilà, donc tout ça je vais le coller. Et puis je pense qu'après, je vais mettre un petit peu de travers. Voilà. Et voilà. Donc là. Et puis, est-ce que je rajoute Alors attendez, je regarde ce que j'ai dans les décos. M'a offert ceci, j'aime bien, je me dis que ça pourrait être pas mal. On met un là et un là. Alors est-ce que j'en mets un marron? En fait je vais le coloriser, vous voyez, c'est une petite, je sais pas comment on appelle ça hein. Donc en fait, je viens tout le coloriser. Enfin, le coloriser, je l'encre. Vous voyez, comme ça. Celui-là, je vais le laisser comme ça. Voilà. Donc voilà, ma page de Art Journal sera terminée. Je vais peut-être la rentrer encore un peu plus après. Je vais peut-être prendre mon petit bidon. Ça sera plus facile pour coller. Ça, c'est un petit bidon que Nat m'a offert. Je la remercie encore infiniment parce que je m'en sers énormément. Alors, il est bouché forcément. Donc celle-ci, je vais la mettre comme ça. Et celle-ci, je vais la mettre en bas. Voilà les filles, pour ma page de Art Journal de ce mois-ci. Je ne vais pas rajouter plus.
Parce qu'après, pour ne plus que ce soit surchargé. Donc, je vous montre. Voilà, je vous montre un petit peu. Voilà ma page de Art Journal pour ce mois-ci, les filles. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.